Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir à travers le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une organisation de cuisine. Alors pas trop de blabla, c'est parti. Je vais m'attaquer pour commencer au tiroir réservé au couvert. Côté organisation, je ne peux pas faire grand chose, tout simplement parce qu'à ce niveau-là, ça a été livré comme ça. Et donc comme tu connais la devise ici, pas trop de chichi, on s'adapte à ce qu'on a. Je commence par bien nettoyer et par la suite, on va réorganiser tout ça. On va ranger d'un côté tout ce qui est attrait à la conservation, donc sac de congèle, fermeture plastique et pour optimiser, comme j'ai encore de la place, je vais y ranger les spatules en bois. Je vais également réserver une place pour les couteaux de cuisine. Dans toujours l'idée d'optimiser, je vais ranger tous les couverts dorés ensemble et les autres ustensiles dorés comme l'économe, le séparateur d'œufs, le couteau et la pelle à gâteau, je les mettrai du côté opposé aux lames de couteau de cuisine.
Juste en bas, il y a un autre tiroir où je vais ranger tout ce qui est en rapport avec le four. Donc des sous-plats, des pics à brochettes, des plats au four et quelques autres petits éléments comme des clips, des repose-cuillères, les maniques, etc., etc. Ensuite, j'attaque le dernier tiroir de ce côté-là où je vais y ranger le dernier plat au four qui n'a pas pu être rangé au-dessus, tous les saladiers, toutes les passoires, les panières à frites, ma petite mallette d'ustensiles de pâte à sucre et le robot pâtissier. Tout simplement parce que je préfère qu'il soit rangé même si ça coûte de le sortir à chaque fois puisqu'il est énormément utilisé, mais au moins il n'encombre pas le plan de travail car il y a déjà beaucoup de machines quotidiennes comme le grille-pain, la bouilloire, etc., etc. J'y range également les tabliers des enfants, le mien et quelques torchons de rechange au cas où. Je m'attaque à l'une de mes parties préférées qui est l'étagère à pâtisserie. Comme tu peux le voir, il y a vraiment un bazar. J'ai été inspirée par Pinterest pour le rangement des moules. Seulement, je crois qu'il y en a trop, donc il y a eu un petit incendie que je vais profiter pour résoudre. Mais d'abord, place à l'organisation d'abord de tout ce qui s'y trouve. Donc, j'ai commencé par ranger dans un bac tout ce qui est sucre vanillé, levure boulangère, levure chimique, perles, etc., vermicelle, etc., etc. Dans un autre bac, j'ai rangé tout ce qui est boîte en sachet, c'est-à-dire avec des sachets, gélatine en sachet, levure en sachet, chantifix, etc. Et dans une autre boîte, j'y ai mis tout ce qui est colorant alimentaire, pinceau alimentaire, stylo alimentaire, etc., etc. J'en ai pris un quatrième où j'ai pu ranger tout ce qui est emporte-pièce, tout ce qui est moule. Et là, dans la petite mallette, tout à l'heure, comme je le disais, il y a tout ce qui est alphabet, emporte-pièce en alphabet, tout ce qui est douille, pochette, douille, etc., etc.
Donc, on va nettoyer et rattraper le petit incident. Pour ranger mes moules, comme je disais, c'est une astuce prise sur Pinterest que j'ai adaptée à ma façon. Il va te falloir une barre extensible ou une tringle de rideau très solide si tu as des moules, surtout autres que ceux en silicone. Des petits crochets qui tiennent bien, ceux-là, moi, je les ai eus chez Auchan à moins de 2 euros, mais tu peux les avoir partout. Au pire, si tu as la possibilité de percer, tu peux le faire. Moi, je ne voulais pas. Donc, il va te falloir des pinces à linge, des cintres ou des accroches pour tenir tes moules. Moi, j'ai utilisé des pinces individuelles que j'ai achetées également chez Auchan. Les cordes étaient très longues, donc j'ai dû les attacher. C'est pas très esthétique, certes, mais ça ne se voit pas plus que ça par rapport à la longueur de mon étagère. J'ai également ces petites espèces de crochets que j'ai également mais depuis très longtemps, donc je ne pourrais pas te dire où est-ce que je les ai eus. Cette astuce m'a également permis de ranger mes sets de table. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici, comme tu peux le voir. Et voilà ce que ça donne, c'est propre, beau et efficace. Et pour finir, je vais disposer tous mes bacs que j'ai rangés au préalable. Et je vais m'attaquer à l'étagère du bas où je range un mini stock de boissons, d'huile, de lait, de compote, de vinaigre, de bouteilles d'eau, tout ce qui est liquide en général, que je réapprovisionne dans mon cellier. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à regarder ma vidéo où je te parle de mon cellier sous mon lit. Et voilà, c'est terminé pour cette armoire bien rangée, tout propre. Je m'attaque au tiroir à épices qui, ces derniers temps, par manque d'organisation, je l'avoue, a payé cher.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, dites-moi, quand je suis en retard pour le dîner, moi, ça arrive rarement, mais ça m'arrive de mettre un petit désordre quand même ici. Donc, on va arranger tout ça. Le support vient de chez IKEA. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé un support aux dimensions du tiroir. Donc, vous connaissez la devise, on fait avec ce qu'on a. J'ai étiqueté les pots moi-même au lieu d'acheter des étiquettes déjà faites, tout simplement parce que ça m'a permis d'écrire en fonction des épices que j'ai. Et aussi, je peux faire mon propre design. Donc, si tu n'as pas la cricote, j'ai une vidéo où je te montre une autre possibilité de le faire. N'hésite pas à aller la regarder. Donc, on remplit, on range, surtout par ordre alphabétique. En général, je laisse ma choupette le faire, mais du coup, pour la vidéo, je vais vous le faire. Je ne renverse pas les fonds, je les mélange tout simplement avec ceux qui sont déjà à l'intérieur, parce que de toute manière, ça part vite ici, donc je mélange juste. Je fais pareil pour les bouillons, je les mets juste dans une petite boîte que je range également dans le tiroir à épices. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, on les range par ordre alphabétique. Donc, c'est ma petite choupette qui s'en charge. Mais pour le coup, je vais le faire. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de cette vidéo. J'aimerais juste dire un grand merci à toi qui as liké, à toi qui t'es abonné, car c'est vraiment motivant. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite vraiment pas, car c'est très encourageant et ça fait plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur la décoration du printemps et de la Pâques. Gros bisous et la deuxième partie de cette vidéo arrivera très prochainement. Bisous!